koti na nga babo inga e Nako banga te yesu ako ya banga e Patako baninga na nga baki minga e Ona masia nako tika te Alléluia. Amen. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vois notre frère qui est ici, c'est le frère Alain. Vous venez de Bukavu. Que Dieu te bénisse. Nzambe apambola yo. Et qui bénisse tous les frères qui sont là. Je vois que ma voix commence à me trahir un peu. Vous prierez pour moi. Levez-vous, nous allons lire la parole de Dieu. Nous lirons dans Genèse au chapitre 3. Tokotanga na Genèse mokapo ya misato. C'est jusqu'au verset 6. Kobanda molongo ya liboso kino molongo ya motoba. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et il a dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» Nakati yabanyama nyonso oyo yawe nzambe asalaki nyoka azalaki nyamamoko alekaki na mayele mabe mingi. Atunaki mwasi, ya solo nzambe apekisi ete boli ambuma yabanzete nyonso ya elangate. La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. » Moi si azongi si ete tokoki kolia mbuma tozali kolia mbuma ya elanga. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous mourrez. Kasi mpona nzete oyo ezali na katikati ya elanga, Nzambe alobaki bolia mbuma yango te, bosimba yango pete, soki te bokokufa. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas. Nyoka alobina mwasi, lokuta bokokufate. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Nzambe alobaki bongo po ayebi ete mokolo bokolia yango. Miso na bino ekofungwama. Boko koma lokola bantambe. Mpe bokozwa mayele ya koyeba makambo ya malamu na mabe. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle a pris de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Et il en mangea. Moi si amoni ete ntete yango ezali na mbuma ya elengi mpona kolia mpe kitoko mpona kotala pe yango ezali malamu mpona kopesa mayele. Yango wana akamati mbuma moko pe alei apesi pe mobali na ye bongo ye alei yango. Prions le Seigneur. Tobondela nkolo. Seigneur Jésus. Kolo Yesu. Nous sommes ici, Seigneur. Tozali awa kolo t'adorer pona kokumba mela yo pour élever ton nom pona koneto la kombo na yo pour te chanter te louer pona koyembela yo kokumisa yo. C'est ce que nous avons fait yango nde tosali. Mais nous sommes aussi ici pour écouter ta parole
Kasi tozali pe awa pona koyoka liloba na yo. Pour écouter tes enseignements. Pona koyoka malakisi na yo. Afin que nous soyons capables. Na tina ete toza na makoki. De nous préparer pour l'enlèvement. Ya komi bongi sampo na koneto lama. Aide-nous Seigneur. Sungabi sonkolo. Pendant que nous voulons faire quelque chose pour toi. Na tango yo toligi kosalela yo eloko moko. Nous avons besoin de ton aide. Tozali na bosenga elisungi na yo. Au nom de Jésus-Christ. Na komo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Bokoki kovanda. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Na pesi binombote na komo na Yesu Kristo. Cette semaine, j'avais prêché le mercredi sur écouter sa voix. Poso oyo mokonamisa tonate akili kolona yoka mongongo na ye. Toko yoka mongongo na ye. Et le vendredi, j'avais prêché sur la semence de discorde. Mokonamita nonate akili kolona momboto na bokeseni. Et maintenant, je vais toucher un peu l'Éden de Satan. Sikoyo nakosimba mwa muke Eden oyo ya Satana. Vous savez que le diable aussi a son Éden. Boyebiete diabolo azali pene langane ya Eden. Qui le sait? Nani ayebi? Allez un peu en Europe. Kenda nanu na poto. Voyez la nuit, certains quartiers, comment le diable était. C'est un grand menteur, le diable. Il est en train de clabousser les gens avec la lumière. Bongo, omona na butu, na ba quartier moussousou, nenge Satana zo sala. Satana, aza moko si monene. Azali kongengisa, azo pelisa pelisa minda biskana biskana ba quartier moussousou. Ce n'est pas ça, la vie éternelle. Bomo inaseko, yango anate. Non. Te. C'est un mensonge. Wana lokuta. Quand Dieu avait créé l'homme, tango nzambe akelaki moto. Dieu avait créé premièrement ce monde. Nzambe akelaki liboso liboso mokilioyo. Et après avoir créé le monde, il a créé maintenant un endroit propice pour placer l'homme. Sima na kokela mokili. Aye kokela esika moko elongo banaki pona kotia moto. L'homme qu'il a créé, qu'il avait créé à cette époque-là, Adam, venait de lui. Ah, moto ya kela ki ne leko wana. Adama awuta ki na ye moko nzambe. Et il avait donné à Adam des capacités que nous n'avons plus aujourd'hui. Bongo apesaki Adama makoki moko yo lelo yo tozalaka nango lisusu te. Adam pouvait marcher à la vitesse de la pensée. Adama akokaki kotambola na lombango ya makanisi. Il n'avait pas besoin d'un avion ou d'une voiture. Azalaki na bosenga ya pepo to voiture te. Mais dans l'Éden de Satan ici, nous avons besoin des avions et des voitures. Kasi n'Éden ya Satan awa tozana bosenga ba pepo pe ya ba mituka. Adam ne pouvait jamais tomber malade. Adama akokaki kobela te. Mais ici, nous avons des hôpitaux. Kasi awa tozali na balopitalo. Adam ne pouvait jamais mourir. Adama akokaki kokufa te. Vous voyez que l'Éden de Dieu était supérieur à l'Éden de Satan. Bomoni ete Éden ya Nzambe elekaki Éden oya Satana. Et aujourd'hui, nous avons plusieurs cimetières. Lelo tozali na maita ebele. C'est devenu normal. Et komi bomoi oye sengeli. Quand Dieu avait créé les premiers hommes, tango nzambe akelaki bato ya yambo. Ils avaient toutes les capacités. Bazalaki na makoki nyonso. C'était des petits dieux. Bazalaki ba nzambe moko ya muke. Ils régnaient sur le lion. Bazalaki na bokonzi likolo na nkosi. Le lion vient un peu ici. Abi yo nkosi ya kao. Et le lion vient. Pe nkosi atosi ayé. Et puis il dit, allez, tu rentres là-bas, comme s'il parlait à un chien. Si ma vie, le lion part. Zonga kuna, loko azo sola na imbwa, pe nkosi pa zongi. Essaye ça aujourd'hui. Pe yangondele. Meka nanu yangolelo. Essaye. Meka. Tu vas là dans le parc de Virunga et tu dis au lion, viens.
Okay, ne kuna na park ya virunga oro bana nkosi eten kosi yaka. Akosala. C'est toi qui va commencer à courir. Yonde okopakatambangu pour disparaître dans sa bouche, dans sa gueule. Po okima monokonaye. Non, il va te manger. Po ali ayo. Mais à cette époque là, kasine le kuana, même le léopard atankoi avait peur de l'homme. Azalaki kobanga moto. L'homme était le maître. Moto yenda azalaki nkolo na biloko. Il était le patron. Azalaki patron. Dieu l'avait placé comme un petit dieu. Il régnait en maître. Nzambe atiaki eloko nzambe moko amuke. Po azana bokonzi loko nkolo na biloko. Il parlait aux bêtes, aux oiseaux. Azalaki koloba na banyama, koloba na bande. Aux poissons. Na mbisi ya mai. Baleine, viens un peu ici. Abiyo, mbisi ya monene oyo baleine yaka na noa. Et la baleine vient. Pe baleine aye. Il pouvait appeler le requin. Akokai kobenga mbisi oyo requin. Et le requin vient. Pe requin aye. Essaye un peu de jouer avec le requin aujourd'hui. Me kako kenda kosakana na requin lelo. Vous voyez que l'Éden de Dieu était différent de l'Éden du diable. Bon mon été, Éden est en Zambé et que c'est là qui n'a Éden où il y a Satan. Dieu leur avait donné quelque chose. Nzambe appelle ça qui bango et le komoko. La parole de Dieu. L'iloba na Nzambe. Pour régner et contrôler le monde. Bona kokonza pe ko nyange la mokili. Sans la parole de Dieu, vous ne pouvez pas régner sur le monde. Et le diable est venu. Le diable est la semence de discorde. Satan a azali mombote ya bokeseni. Il a commencé ça depuis le ciel. Il a toujours été l'opposant de Dieu. Et là aussi, il avait fait son parti politique avec le deux tiers des anges de Dieu. Kuna na lola, asali parti politique na ye, akamati banje lumi satu, mi bale likona misatu, ya nzambi. Mais Dieu était plus fort que. Kasi nzambe, alekaki bango na makasi. Les anges de Dieu ont combattu les anges de Satan. Banje luna nzambe, babundisa ki banje luna satana, Lucifer le. Et les a projetés ici. Ils n'ont plus trouvé de place pour eux là-bas aussi. Alors ici sur la terre, bongo, awana mokili, puisqu'il est l'ennemi de Dieu, loko lazali monguna nzambe, il est venu à la pointe des pieds aye ina moi, pour semer sa semence. Mpo, aya kokona, nkona na ye. L'homme a été créé. Moto akelamaki des milliers d'années ou je sais pas des centaines d'années. Bakoto ba mokama na bambula na koyikoloba. Le diable ne s'approchait pas de l'homme. Satana ayeba kindenga kopusa na pemena moto te. C'est la vérité. Et allé à solo. Pourquoi? Ponanim. Parce que l'homme po moto ne pouvait écouter que la parole de Dieu. Ayebaki koyoka kaka liloba na nzambe pa. Et le diable le savait très bien. Pe Satana ayebaki yango malamu. Mais quand on lui a crié, une aide. Tango bakeleli ye mozalani moko. Une aide. Lisungi. Un être semblable à lui. Moto moko oya kokanaki na ye. Et le diable a vu la faiblesse de la femme. Satana amoni bolembu kati na mwasi. Vous savez, oui, quand vous avez une faiblesse, tango zana bolembu, le diable peut voir ça. Satan a koki komona yango. Et alors il viendra vous présenter son plat. Bongo akoya kotalisa yo bilei na ye. Mais quand il sait que vous n'avez pas cette faiblesse là, kasi tango yebi eto zana bolembu wana te. Mais comment il va venir avec sa tentation? Akoya ndenge nini na komekamana komekana. Il sait que vous ne regarderez même pas ça. Oh, ayebi eto kotala ta yango te. C'est pour ça que le diable n'était jamais venu vers Adam. Jamais. Quand il voyait Adam, il avait peur. Adam donnait des ordres au serpent. Adam azalaki kopesa nyoka mitindo.
Tu vas faire ça. Tu vas faire ça. Elle ne s'est pas dit oui, maître. Le serpent n'était pas là rampant, non. Il était debout comme un homme. Et il était l'animal le plus intelligent. Il était capable de parler à un homme. Il était plus grand qu'Adam de taille. Et il était un être très 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 beau. Comme un homme. Pas un homme. Entre l'homme et le serpent, il y avait le serpent. Et le diable Pezabolo utilise toujours celui qui s'oppose. Asale la katango nyonso motoyo a côté awa zali ko kota na botele meli. Lui il est comme l'homme. Abi yazali lokola neti mais ce n'est pas l'homme. Neti moto kasi moto te. Ah je peux l'utiliser. Même au ciel. Atana Lola. Vous savez pourquoi le diable s'était rebellé? Il était comme Dieu. Azalaki lokola nzambe. Il mettait le saut à la perfection. Azalaki kotia mokolo to na ye na bobongisi makambo ya nzambe. Quand vous regardez Dieu, tango otali nzambe, et vous regardez Lucifer, pe otali Lucifer, c'était la même chose. Bango mibale bazaki ndenge moko. À la seule différence, bokeseni Dieu pouvait créer. Et ça là qui gâte, Nzambe, Azalaki na makoki akokela. Mais Dieu n'a pas donné à quiconque, même pas à Lucifer, la capacité de créer. Kasi Nzambe pesa ki na moto mosusu te, ata Lucifer était makoki ya kokela. Alors il a combattu Dieu. Ndebongo abundisa ki Nzambe. Oh Dieu est dictateur. Ah, Nzambaza motya bokonzi yanko. Comment on doit l'adorer lui seul? Ndengenini ba kumba melaka ka ye moko. Et il a convaincu beaucoup d'anges. Bongo andimisa ki banje louebele. Quand Dieu a choisi Moïse, c'est Moïse seul. Tango Nzamba pona ki Mose, ezalaki bobele Mose ye moko. Et quand il a choisi Josué, c'est Josué seul. Pe tango yaki kopona Yoshua, ezalaki Yoshua ye moko. Et quand il a choisi Jésus, c'est Jésus seul. Petango poni Yesu, ezalaki Yesu ye moko. Et le diable est venu. Bongo zaboloyaki. Dans le jardin d'Eden. Na elanga yedene. Il a cherché celui qui était rusé. Aloki moto yazalaki na mayele mabe. Et il lui a donné ses propres pensées. Bongo apesi ye makanisi na ye moko zabolo. Soyons toujours simples. Enlevons la ruse. Le diable utilise toujours la ruse. Parce qu'il n'est pas vrai. Il vient toujours avec de la ruse. De l'hypocrisie. C'est ce qu'il a placé dans son Éden ici. Tout le monde devient rusé. Tout le monde devient hypocrite. Nous sommes dans l'Éden de Satan aujourd'hui. Les hommes honnêtes, simples, transparents. Rats. Tout le monde, vous savez. Ah. Bon, oui. D'ailleurs, moi, Kotungai, est-ce que tu sais? Oui, c'est tout le monde. Batunyonso. Les enfants de Dieu n'ont pas de ruse. Bananandambe. Bango bazala kana mayele mabete. C'est Dieu lui-même qui les protège. Nzambe ye mokonda zali kobatela bango. C'est Dieu lui-même qui prend soin d'eux. Nzambe ye mokonda zali kobatela bango. Mais qui contrôle toutes choses?
Kasi nani anyangela kama kambonyoso. C'est Dieu. Ezali Nzambe. Toi tu penses que avec tes soucis tu peux changer quelque chose? Yo kanisete na mitungisi na yoko kiko bongo le loko moko. Laissez tout à Jésus. Tikela Yesu nyoso. Mettez-vous à genoux, priez. Boka mabolongo bondela. Remettez votre vie à Jésus-Christ. Songisa bomo ina yo na Yesu Christo. Ce monde ici de Satan aime les coups bas. Mokilio yo ya Satana elingi bobele makambo ya nyoka nyoka. Na se na se. Makambo ya sese. Nyoka nyoka. Vous pensez que cette personne là vous aime? Non, il ne vous aime pas. Yo kanise de moto na lingi yote, a lingi yote. Quand vous êtes dans ça. Il suffit que vous puissiez vous déplacer du roi. Tango baluka boy, tango zali wana azoseka azoseka. Kasi longwa ka ke sika wana. Est-ce que c'est la vérité? Ezali ya solo. C'est l'Éden de Satan. Ezali Éden ya Satana. Dans l'Éden de Dieu. Na Éden ya Nzambe, il y avait la joie. Esengo ezalaki. Il y avait la paix. Kimia ezalaki. Il y avait l'amour. Bolingo ezalaki. Dans l'Éden du diable ici. Na Éden ya Zaboloyo. Il n'y a plus de paix. Il y a quoi? Le trouble. Et le connais Ali, il n'y a plus d'amour. Qu'est-ce que nous avons? La haine. Il n'y a plus de joie. Qu'est-ce que nous avons? La tristesse. Mawa. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Mettez la colo Yesu Christo Maboko. Je remercie Dieu pour ce nouveau micro. Que Dieu te bénisse, frère. Dieu donné Kassendé. Na zali koton nzambe pona micro oyasika. Nzambe apambola yonde ko Dieu donné Kassendé. Et ça c'est pour le pasteur seul. Oyo ezalika mokengeli emoko. Amen. Amen. C'est terrible. Dans l'idée du diable, on commence même à mettre les poisons dans le micro. Ezali somo ne dene ya zabolo. Ba komi kotia ba poison atana ba micro. Les poisons partout, vous touchez comme ça votre voiture et on met le poison. C'est qui le poison? Quelle vie? Poison bisikanyoso. Attends la voiture na yomoko. Osimba poignet à portier la voiture boy. Matière poison. Bomo yandenge niniwana. Une femme empoisonne sa femme et son mari. Moi aussi. Azali kotia la mobali na yembondo. Est-ce que c'est vrai? Et ça solo. Et l'homme tue sa femme. Mobali, avec un coup de poing. Moi si na yena bibotu. Il prend la chaise. C'est quel Eden? Akamati kiti ya memia beta moi si na Eden niniwana. Oh, nous sommes bien ici. Dieu n'existe pas. C'est un mensonge. Nous ne sommes pas bien ici. Oh, tozali malamu wana mokili. Nzamba zala kate lokuta. Tozali malamu awate. Lokuta. Dans l'Éden de Dieu, Nedene Nzambe, il y avait la paix. Kimi ezalaki. Mais nous l'avons perdu. Tobungisi yango. Je vous dis la vérité. Nazolo beyabino solo. Est-ce que c'est vrai? Ezali à solo. On est tout le temps troublé. On a toujours un problème qui. Il y a toujours quelque chose qui vous ronge. Toujours une maladie. Tango nyoso qui vous enlève la paix. Tozali na mobulu. Kokoso mindondo bisika na bisika. Tango nyoso mo maladie moko pona kokolongola okimia. Tout ça, Nyoswana. Satan voulait qu'on l'adore. Satan a posé les zalakete, basambelaye. Quand vous enlevez la parole de Dieu, tango olongoli lilobananzambe. Vous adorez Satan. Osambeli Satan. Donc Satan a fait entrer, même dans ses derniers âges ici, des démons religieux. Et il dit Satan. A côté si attendez le konasuka oyo milimu mabeya basambeli. Comment vous allez découvrir? C'est difficile. Ndengeni nokoye ba ete mutu azali ya Satan. Il est à vélo. Azali na kinga. Il a fait le vœu de pauvreté. Apesi ndayi ya ete azalaka mobola bo moyine mobimba. Il a fait le vœu de chasteté. Apesi ndayi ete ayeba kosala makambo na mbindo te. Yo benga et à Kobalate.
Alléluia. Amen. Comment ne pas croire à un tel homme? Ndenge nini moto na lolenge wana ondimela yete. Comment le diable est entré? Satan a kota kindenge nini? C'est de la même façon qu'il entre aujourd'hui. Kaka lolenge moko anande asali kokota lelo. Le diable est venu vers Ève. Satan a ayaki epai na Ewa. Et le diable lui a posé la question. Satan a tuné motuna. Votre message là. Sangonabino wana. Votre message dit que vous ne devez pas mettre les boucles d'oreilles. Sangonabino zolo bete esengeli botia biloko matoi te. N'ayez pas honte de votre message. Koyo kasoni te pona sangonabino. Le messager motinami. C'était qui? Ezalakinani. Adam. Adama. Ève représentait qui? L'église. Et vous avez côté l'Isanani, Ecclesia. Le diable ne tentera pas les prophètes. Satan a commis comme sa qualité. Il n'a même pas la possibilité de le séduire, c'est impossible. Azalia tana makoki ya komeka yete ko pengu sa yete. Il vient vers l'église. Akoye paina Ecclesia. Abia, qu'est-ce que le prophète a réellement dit? Mosakoli alobi solo nini? Sur les femmes. Likona basi. Il cherche un moyen pour dire le contraire. Azuluka ntela moko pona kolobalika momoko ya bokesene. La femme répondit, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, il n'y a pas de problème. Moi si azongi si alobiete tolia kambuma nyonso ya ilanga. Ya nzete ilanga. Likambo ezate. Nous sommes bien. Toza malamu. Ah, vous n'êtes pas bien. Abiote boza malamu te. Et cet arbre là. Et bongo nzete wana. Il a agité. Aningisi. A pepi. Devant les yeux de la femme. A pepi, a mon ami sur moi si. Et l'arbre était beau à regarder. Pe n'tete ezalaki ki to kompo na kotala. Agréable à la vue. Pe ki to kompo na kotala. Vous pensez que le diable va placer le péché dans quelqu'un qui est vilain. Une vilaine femme. Satan a kokende kota lisumu. Kat na moto moko ya zaye longi mape. Moi si moko ya mape penza. Non, non. Il faut que ça soit un beau monsieur. Et sengele zala. Tala mobali moko a kitoko. Et quand il apparaît. Bongo tango ya kubima. Voilà. C'est celui-ci qu'on peut dire que c'est un homme. Mais c'est lui que moi j'ai eu ici, c'est un bonus. C'est le diable. Et Zaliza Bolo. Et ça doit être quelqu'un qui parle bien. Est-ce que c'est vrai? Et Zaliza Solo. C'est vrai? Ya Solo. C'est vrai. Mais la femme sera déjà partie. Ce qu'a dit Kokukuma. Oh, moi, c'est assez accueilli. Il doit avoir le verbe facile. Et Sengeli Azala Molobia. Il y a Kolobana Pepe Lenyonso. Ton mari t'a dit que là aussi vous pouvez manger. Mobile n'a le bien, j'étais en appel pour Golia. L'arbre qui a des beaux fruits là. Ah bon? Pour cet arbre là, il nous a dit que nous ne devons pas manger. On ne doit même pas toucher. Habite, pour n'zete wana alobi na biso, tokolia yangote, to simba kuto ata yangote. Le diable a crié. Zabolo a c'est qui? Impossible. A c'est qui alobi? C'est ce qu'il vous a dit. Alobi. Ça me fait rire. Ya solo penzanda lo belibino ezo seki sangai kutu. Mais vous avez pas dit la vérité. Té lo belibino solo té. Donc le diable dit ici que Dieu a menti. Eli gobete Satan a solo bawete nzambe akosi. Mais c'est grave. Ezali somo. C'est ce que
Le diable dit encore aujourd'hui. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains sur les malades seront guéris. Le diable dit non. Wapi mutu yo moni abiki ya wapi ye. Tala bilembo oye kotambo lelongona boba kondimela. Bakotie la babeli maboko babeli bakobika. Zabolo ayala bite. Na batonyo sowana wapi mutu abiki. La semence de discorde. Alors, sans bruit. Mon bouton. Même la semence de Dieu. Mais Seigneur, aide-moi. Viens au secours de mon incrédulité. Mon bouton a bokesene. Ekoti saka mobulu. Ataba pona minanzambe babandi komituna bango mo mituna babi onkolo sikoli kamoni ni tokozwa ya solo yaka osunga biso la femme a dit quoi moi c'est binini le jour où vous mangerez ça abi mokolo bokolia yango regarde un peu comment ça pète tala nanu ndenge zali konga est-ce que c'est semblable à tous les fruits. Yo, elle a dit non. Moi ça le dit. Essaye un peu. Abi mekanan. Essaye. Meka. N'essayez pas. Komekate. Quand vous essayez un peu avec un verre. Tango mekikata muke. Na verre moko ya masanga. Esili. D'ailleurs notre adage ici il dit qui a bu. Voilà. Kutu, lisese moko ezaka na mboka na biso ya lobakete, oyo ameli moko akokoba na komela. N'essaye pas. Komekate. Oh, essaye un peu. Oh, meka kaka muke pamba. Il n'y a rien. Et le komoko mabezate. Essaye. Meka. Il sait que le jour où vous en mangerez, aye bien te moko lobokolia yango. Vos yeux. Miso na bino. Les yeux que tu as là. Oh, tu es quoi? Encore un enfant. Mais ce nom est qu'on fout moi. Tes yeux vont s'ouvrir. Tu connaîtras. Okoyeba. Des choses que tu ne connais pas encore. Makambo yo nano yebite. Tu seras comme Dieu. Okozala lokola nzambe. Le diable veut toujours être à la place de Dieu. Satan alinga katango nyoso azala kaka nesika ya nzambe. Voici la tentation. Tala lomeko. Le jour où vous mangerez, mokolo bokolia yango. Vous serez très intelligent, plus intelligent que maintenant. Bokozala mayele mingi koleka ndenge boza sikoyo. C'est ce que l'homme cherche aujourd'hui. Yango nde moto azali koluka lelo. L'intelligence. Mayele. Jusqu'à découvrir comment cloner l'homme. Kino aye bandenge nini akoki ko sala moto mosusu. Mon Dieu. Oh nzambe na ngai. Aie pitié de nous. Yokela biso mawa. C'est là que j'ai la connaissance. Ezali eleko ya boyebi. Le jour où vous mangerez. Mokolo bokolia. Vous connaîtrez aussi le mal. Bokoyeba pe mabe. Est-ce que vous voulez connaître le mal? Bino bosala posa boyeba mabe. Pour en faire quoi? Bokosala nango nini? Vous connaîtrez le bien et le mal. Bokoyeba na mabe na malam. Vos yeux s'ouvriront. Miso na bino ekofungwama. Kindokio nini wana? C'est la sorcellerie ou quoi? C'est quoi? Nini yango? Alors ça tourne dans la tête de Eve. Bongo ekoma kiko baluka na mutu ya Ewa. Mes yeux vont souffrir. Miso na ngai ekofungwama. C'est quoi ça? Ezali nini wana? Je deviendrai plus intelligente. Nakokoma mayele koleka. Ça signifie quoi? Elingi koloba nini? En mangeant seulement quelque chose. Kaka na kolia loko moko boy. Mes yeux vont s'ouvrir. Miso na ngai ekofungwama. Je suis curieuse. Ah, ikamongo ebendi makanisi na ngai. Je vais manger. Na kolia. Et elle s'est approchée de l'arbre. Elle a touché le fruit. Elle a dit, avant de tomber dans le péché, on commence par admirer le péché. Est-ce que c'est la vérité? En tout cas,
solo penza. Je dois le faire. Ah, hein, singeli kana. Hein, ngape na za motote. Mais moi aussi je suis. Baninga bazo se pelanga na se pelate pour la nuit. Que d'autres se réjouissent que moi je ne puisse pas me réjouir. Je vous dis la vérité. Na zolo beyabino solo. Le diable va vraiment embellir le péché. Satan a kokomisa lisumu kitoko. Ah, elle va finir par tomber dans la tentation. Suka na suka ewa akoi na komekama. Et quand elle a mangé, Petango aliaki, ses yeux s'ouvrirent. Misonaye et fungwamaki. Et il a connu le bien et le mal. Pe ayebaki mabe na malam. Mais là où il y avait le mensonge, vous ne mourrez point. Quand c'est si que le coûte zakete, bokokufa te. Maintenant, ils vont connaître la mort. Sikoyo bakoyeba lo liwa. Maintenant, ils seront et dans le bien et dans le mal. Sikoyo bakozala na nakatia malam na nakatia mabe. Aujourd'hui, dans l'Éden de Satan. Le lone Éden à Satan. L'homme parfait, c'est difficile. Moto ya bongibe. Ezali pas simple pour mona. Tantôt vous êtes dans le bien. Un jour vous entrez un peu dans le mal. Nous sommes dans l'Éden de Satan. Est-ce que c'est la vérité? Oh Jésus. Oh Jésus. Et nous avons perdu la vie éternelle. Et nous avons perdu le jardin. Parce que dans le jardin de Dieu, il doit y avoir la paix. Est-ce que nous sommes dans la paix? Non. La paix, nous l'aurons là au ciel. Qui peut dire amen à ça? Amen. Importe ce que vous êtes. Même si vous êtes millionnaire. Il y a toujours quelque chose. Comme une écharde. Qui va vous troubler. Je vous dis la vérité. Et on les a chassés du jardin d'Éden. Les anges aux ailes déployés avec une paix flamboyante. Pourquoi? Parce que ils ont mal interprété la parole de Dieu. Amen. Ils ont été chassés de l'Éden de Dieu parce que le diable leur a donné une mauvaise interprétation. Ah, Frère Baruti. Ah, Ndeko Baruti. Pourquoi tu attaques comme ça les fausses doctrines? J'attaque les fausses doctrines parce que les fausses doctrines amènent la mort. Nazali kobundisa malakisi ya lokuta po malakisi ya lokuta ememaka liwa. Vous êtes d'accord avec moi? On est mieux en lobby. Amen. Mais pourquoi tu as dit ceci? Pour moi, tout ce qui est fausse doctrine, que ça vienne des kimbanguistes, des catholiques, des protestants ou des gens qui sont dans le message, c'est la même chose. On peut dire le Bible. Pour n'engager. Tout ce qui est ils ont maintenant découvert qu'ils étaient nus. Si koyo ba ekomonete bazalaki molumbu. Ils ont commencé à se gratter, la maladie a commencé. Ba mikuse bani na nzoto babandi komi kwanza. Et ils ont vu quelqu'un mourir. Abel. Abel. Frère, avant la mort n'existait pas. Bandeko. Liboso, liwa ezala kite. La femme a amené sa prédication à l'homme. Moi si amemela ki
amemeli mobali liteya. La première prédication de la femme a apporté quoi? L'amour. L'idée ya liboso ya mwasi et memaki nini? Liwa. C'est pour cela ndeti na yango Paul en parle. Paul a zolobela yango. Dans 1 Timothée na Timothée ya liboso mokapo ya mibale. Qu'est-ce que Paul dit? Paul a lobi nini? Il dit ceci. Verset 11. Je ne permets pas à la femme. Non, que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Natango ya mateya, basi bafanda nye, pe balanda yango na boke binyonso. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Na pesi bangonze la te et bate ya to ba mitia liboso ya mibali. Mais elle doit demeurer dans le silence. Kasi basengeli kofanda nye. Paul, pourquoi? Paulo, pour na nini? Passez baruti yoka. Mokengeli baruti, écoute. 13. Car Adam a été formé le premier et Ève ensuite. Pambate liboso nzambe asalaka Adama. Bongo sima ayei kosala ewa. Donc Adam a été formé le premier. Adam a fait beaucoup d'années. Elingobete Adama salamaki liboso asali bebambule bele. Écoutez. 14. 1 Timothée 2, 14. Adam n'a pas été séduit. Mais la femme séduite s'est rendue coupable de transgression. Moto bakosaki liboso ezali Adamate kasi ezali nde mwasi bongo ezali ye moto ya liboso abukaki mobeko ya Nzambe. Ah, quelle traduction, c'est bon. Vous voyez, bomoni, c'est pour cela ezali na tina yango Dieu lui interdit de prêcher. Nzambe apekisi ye koteya. Elle sera sauvée. Akobi qui il n'y a pas de problème. Mais pour ce qui est de la prédication, non. Kasipona oyetalilite ya akote ya te. Sa première occasion de prêcher a amené la chute de l'humanité. Ateyaka ememaki likweli ya mokili. Et l'homme a été chassé. Pe babengana ki moto na ilanga. Et il a commencé à se débrouiller. Abandi komi bundela bundela yemo kompo na kobika. Article 15. Akomi kosalela article 15. Je ne sais pas si cet article existe réellement. Na evite soki a solo article wana ezalaka. Eh frolela. Ezate. Moto alinga ibana yero bio article 15. Quelqu'un veut voler quelque part, il dit article 15. Dépriez-vous. Milukela yo moto apika kake pa ya saraka. Chacun se sort par là où il est. Moïbi. Alléluia. Amen. Et l'homme a commencé à se débrouiller. Pe moto bandi komi lukela lukela. Et a mangé avec souffrance. Pe kolia nan pasi. Enfanté avec souffrance. Kobota na pasi. À vivre avec souffrance. Kobika na pasi. L'homme, ni de la femme, sa vie est courte. Moto, oya botami na mwasi, bomo ineza mokuse. Job 14, verset 1. Wana yobo, zomi na mine, molongwa liboso. Parce que cet homme-là est venu par le touchement de ce que la femme a fait en mangeant le fruit. Po moto wana abotami na nzela ya, oyo mwasi asala ki na nzela kolia mbuma. Parlons maintenant de l'Éden qu'ils ont fait. Tolo basiko na tina Éden oyo bango basali. Ils ont commencé une civilisation. Babandi lolenge moko boye yakobika. Ils ont fait des grands bâtiments. Basali banda kuminene milayi. Vous pensez que dans l'Éden de Dieu, il y avait des grands ciels? Bokanisi te l'Éden ya Nzambe ba grands ciels ezalaki? Non. Té. Je connais ce monde-là. Je parle de ce que je connais. Nayebi mokili wana. Nazali kolobela
eloko yo ngai na yebi. Ce n'est pas, ce ne sont pas les gratte ciel qui donnent le bonheur. Ba gratte ciel ende pesa ke sengote. À l'homme. Na moto. Non. C'est la paix. Ezali nde kimia. C'est la joie de vivre. Ezali esengo ya lobiko. Là où ils ont des gratte ciel là. Ainsi que baza na ba gratte ciel wana. Mais pourquoi ils se suicident comme ça plus que nous? Bona nini ba mi bo makabongo ko leka biso. Ils vont monter là-bas au-dessus, tout au là du gratte-ciel, et ils sautent pour voler. Alors qu'il n'est pas un oiseau. Pouah! A Bambani na se a Panzani. Nakokoufé. Oh, je vais mourir, alors qu'il a déjà sauté. Nakokoufé. Eh, tu vas mourir. Alors que chez nous ici. Ndokande et pas un abissom. Malgré la souffrance. Ata komo nyoko. Les gens qui prient ont toujours ce désir-là Batou, de rester vivant, Batou, de demeurer vivant. Est-ce que c'est la vérité? Ouais. Ils ont fait des gratte-ciel. Ils ont embelli les routes. Les fleurs partout. Éden de Satan. Éden et à Satana. C'est beau. Ezali kitoko. Très très joli. Kitoko bonzenga koleka. Sans vie. Bomo ezate. La vie se trouve dans la parole de Dieu. Bomo ezali kati na iloba na Nzambe. Mais quand vous entrez dans leur civilisation, kasi tango koti na lobiko na bango. Terminé. Esili. Ils vont vous dire Dieu n'existe pas. Je crois que je vous dis la vérité. Ils cherchent à manger, il a ça. Ils sont organisés. À outrance. Petite maladie, on va opérer. Quand vous allez lui parler de la guérison divine, ça n'entre pas. Est-ce que c'est vrai? Ils allaient à solo. On les a amenés loin de Dieu. Bamemi bango mosika na Nzambe. À tel point que quand je suis arrivé pour la première fois en Suisse, j'ai dit, comment c'est propre comme ça? Na lolingi tetango na koma kimba na liboso na Suisse na kamwaki. Na bi ndenge nini bisika nyoso bopeto boye. À Zurich. Na Zurich. Propre. Pas une feuille, les fleurs. Popeto, attends le cas à mon côté. Bah, follow le bisikanyoso. Éden de Satan. Éden et à Satan. Les gens qui sont là, ils sont sans Dieu. Batu basali kuna, basangi nzambe. Je marchais à Paris, je dis, oh, c'est beau. Attends, moi, qui est à Paris, Nabi. Oh, Paris qui toko. Mais ils ne connaissent pas Dieu. C'est l'Éden de Satan. Je vous dis toute la vérité. La nuit. Oh. Des lumières partout. Le diable, c'est un séducteur. Satan Nazali Mopengu ici. Quand quelqu'un cherche à vous séduire, il viendra avec des histoires là pour vous éclabousser. Tango moto azali koluka et apengusa yo. Akoya na biloko moko pwete epelela ona miso loko minda. On avait eu un ici. Toi lagi na moko awa. Il est venu là et... Oh non, je veux rencontrer le trésorier. Ayaki wana abimbo na lingi kokuta na mobombi na misolo. Était bien habillé là. Alati kitoko. Je veux voir le trésorier. Na lingi na mona mobombi na misolo. Tout ça. C'était mensonge. Nyoso wana lokuta. Alors le trésorier a dit non, je ne peux pas échanger la monnaie ici. Non, je refuse. Ici c'est l'église, vous pouvez partir. Mobombi na misolo habite awa na koki ko changer mbongo te awa tozali na losambo kenda na yo. Monsantumia. Il disait à tout le monde ici.
tous convaincus et le Monsanto Mia est comme ça. Alobi na batonyo so na ba Monsanto Mia nyoso yo andimisi bango. Vous mais vous, combien on vous paye dans cette église? Je vois que vous allez maigrir. Nous sommes en abino ya kokonda. Combien? Bah vous t'as rabino vous. Combien pourquoi vous soufflez comme ça? Vous avez melati ya zangi ya ta biloko la kati. Bon. Il a dit allez acheter la les sardines hein. La sardine. Bozo mon a pas si boye bozo lia ti bati ata moi eloko na kati te. Allez acheter du lait. Kamata bozo ma miliki bozo ma sokini. Mokosi et tous les gens ici ils étaient convaincus. Non batonyo so bataki wana. Voilà l'homme qui nous aime. Est-ce qu'il avait payé aussi du lait? Il n'a pas payé, mais il a parlé seulement. Et il marchait là en chef. Et le frère Mia l'a amené chez la sœur Astrid. Pour échanger. Il dit, madame, Abi, madame, je voudrais échanger 3 000 $. Quand quelqu'un fait des choses comme ça, même vous qui n'êtes pas encore marié, quand quelqu'un veut vous épater comme ça, laissez la personne tranquille. C'est un menteur. Et la sœur Astrid a dit, non, non, je n'ai pas 3 000, mais tu as combien? Comment Astrid a dit, il y a 3 000 $ J'ai seulement 1 000 $ ici, mes doigts. Et la soeur était sûre qu'il allait sortir 1 000 $ mais c'est lui qui demande, Quand quelqu'un vous demande de l'argent, il est en train de vous tromper. Mais c'est lui qui devait présenter les 1 000 $ pour que la sœur lui donne la monnaie. En franc congolais ou franc congolais. C'était comme ça, je crois, quelque chose. Non. Il dit, bon, venez, l'argent est dans la voiture. On arrive dans la voiture, il fait entrer la sœur. Il dit au chauffeur, allons-y. Abi le chauffeur token. Avec le frère. Nande Koboba Limia. C'est ça ce monde de Satan ici. Yangonde Mokilo ya Satan. Il est en cravate. Alati cravate. Costume. Alati costume. Chaussures boucarées ou quoi? Alati sapatu ya boucaré. Et il vous parle très bien. Et il descend de la voiture. Lui, il a déjà les 1000 dollars. A quitté la voiture, il y a 1 000 $, à la Snell, en bas là. Na Snell kuna. Et il entre ici. À quoi tiens? Et il est parti. Et à quoi? Okay. Il est disparu. Allez moi. C'est terminé. Et Sili. Il a tombé. Et le chauffeur taxi. À quoi si? Na chauffeur taxi. Et la sœur Astrid. Non de comment c'est Astrid? L'argent est parti. Bon, okay. Le bon monsieur, le bon parleur n'est plus là. L'Éden de Satan. Éden et à Satan. Est-ce que vous l'avez déjà trouvé? Il va planter le mandef, je ne sais pas ce qu'il va faire. Il est rusé. Azalina Mayele ma paye. Et il est parti avec ça. Paye à Ken à 1000 dollars. Mes frères et sœurs. Nous ne sommes pas. Dans ce monde ici aujourd'hui, dans l'Éden de Dieu. Non. Nous sommes dans l'Éden de qui? De Satan. C'est ce que le diable a dit à Jésus. Ce monde ici est à moi. Tu veux la gloire de ce monde? Mets-toi à genoux. Adore-moi. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Et comment mika na Bible yate? Le diable sait très bien qu'aujourd'hui c'est lui qui dirige ce monde. Satan a ebi malamu te lelo yenda zali ko konza mokiloyo.
Parce qu'aujourd'hui, pour être bien, il faut dire les mensonges. Il faut tricher. Quand vous parlez vrai, on vous tuera. On va vous écarter. Seulement des menteurs. Je vous dis la vérité. Mais dans chaque âge, Dieu a un peuple qui doit rentrer dans l'Éden de Dieu. Amen. 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 Et il leur envoie un message. Pour que ces gens-là rentrent dans la parole de Dieu. Quand vous retournez dans la parole de Dieu, vous retournez à la puissance de Dieu. Dans la puissance dans le nom de Jésus. Vous retournez dans la paix de Dieu. Oh Jésus. Oh Jésus. La Kisabana yo. Enseigne tes enfants. Et vous rentrez dans l'amour de Dieu. Amen. 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 Même dans les religions. Attends, Kosambela. L'Éden de Satan est entré. Éden et Satan est cotikat na losambo. Bawela na wa kiri 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 kiri. Ils se disputent sans cesse. Je vous dis la vérité. Nazolo babino solo. Pour enlever le pasteur. Po balongola mokengeli ne bonga. Pour enlever le pasteur. Po balongola mokengeli. C'est l'Éden de Satan. Ezali Éden et Satana. Dans la religion. Kati na losambo. On se dit plus la vérité. Bato bazolo bana bakolobele komilo bela su solo te. Je crois que vous le savez. Dans la religion. On ne se dit plus la vérité. L'Éden est entré. Entré dans la religion. Les fausses doctrines sont entrées. Dans les religions. La puissance de Dieu a quitté. Les religieux. Ils n'ont rien. Rien. Ils n'ont que la théologie. Parce qu'ils ont préféré l'Éden de Satan. Ils ne vont même pas essayer de prier pour que les malades soient guéris. Ils ne le feront pas. Ils disent même que nous ne croyons pas à la guérison divine. C'est l'Éden de Satan. Dieu a dit. Quand quelqu'un est malade, vous l'amenez vers les anciens. Ils vont loindre d'huile, ils vont prier pour lui et le malade sera guéri. Ils ne veulent pas de ça. Ils ne veulent pas de Marc 16. Ils veulent les écoles. Pourquoi? Pour que la connaissance augmente. Quand ils vont parler, vous savez, quand vous êtes là, ça fait ma joie. Parce que. Ils vont parler comme s'ils chantaient. C'est pour endormir les gens. Un vrai prédicateur doit prêcher la vérité. Et quand il prêche la vérité, les enfants de Dieu écoutent la vérité. Ce ne sont pas des signes de ceci. Les alités miloulou. Non! Dis-nous ce que Dieu a dit. L'obel abisso yotembe à l'obi. Est-ce que vous me comprenez très bien? Vous allez colandangaï, madame? C'est l'Éden de Satan. C'est lui qu'on adore. On l'adore.
Bazo sambela yi. E bazo karabino mis. Fukama, vous fukama. Vous fukama pona ni. Il vous aveugle là. Et vous allez qu'on fukama pona. Et maintenant, Betty Gonga. Telema, et bien surtout Botelemi. Botelemi pona ni. Et on va sonner un tout petit peu là. Levez-vous. Vous, vous êtes levé. Mais pourquoi vous êtes vous levé? Il y a d'autres qui viennent avec de l'eau. Ba mosusu, ba ya karamai. Il vous asperge. Abandi comment qui c'est la bino. Alors vous pensez que c'est ça la religion? La religion de Jésus, c'est exactement comme Jésus a prêché. Montez-moi un endroit où Jésus a pris de l'eau et il a dit, venez, je vais vous asperger. Les dents de Satan. Le but de l'Éden de Satan, c'est l'adoration de Satan lui-même. Quand vous n'adorez pas Dieu, vous adorez Satan. Et pour adorer Dieu, c'est dans le cœur. Dieu aime la religion de cœur. La religion du cœur, c'est ça que je prêche aujourd'hui. Dieu doit toucher vos cœurs. Ah non, tika tika tika, awa bazana mbongo mingi. Oh non, laisse, ici ce sont des riches. Bakoki ko ganga te. Ici n'aime pas des gens qui crient, ils peuvent pas crier. Te. Ils sont riches. Awa bazaba bazui. Non. Te. Que vous soyez riche. Oza la mosui. Que vous soyez pauvre. Oza la mobola. Quand votre cœur est touché, tango motema no simbami. Les larmes couleront, vous ne saurez même pas comment les larmes coulent de vos yeux. Bisolie ko kidana miso ko ebata te ndenge ni ete bisolie kidinga ina miso. On a raconté une histoire. Abetela kinga li solo. Je prêchais ici sur la discipline. Nazalaki kote ya awa likolo na alima kati ya. Un monsieur était venu là-bas. Mobali moko akiwa. Il a écouté comment je prêchais. Ayo kinenge na za écouter. Non. Il est sorti. Il a sorti son mouchoir. Abimisi mouchoir na ye. Il l'a enlevé. Apangusi maina. Ça sortait. Maina mise zo. Il sort de là. Abimili banda kuna. Abi ayi. Il enlève encore. Alongo lisusu. Il a azongi. Il écoute. Ayoki. Il dit c'est pas possible. Habite. Il sort encore. Il enlève. Apangusi maina mise. Alléluia. Amen. Il se disait lui, mais comment la vérité peut être ni comme ça. Azalé komi lo belaye mo kote. Ndengeni ni solo ekokiko lo bama polele boyi. Il a dit c'est la vérité. Habité. Il est rentré cet assis-là. Azongi avandiwa. Et celui qui m'a dit ça, il a dit il l'a jamais vu ici. Pe moto lo belaye kinga li solo ana. Habité. Atika komo na yawa li bosote. Il paraissait comme un homme très important. Amonana ki lo kwa moto moko ya lokumu. L'homme important ici. Moto ya lokumu awa. Notre VIP. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous tous, nous sommes ses enfants. Quand la parole est prêchée, nous mangeons de la même façon. Amen. Amen. Dans l'Éden de Satan, il y a l'hypocrisie. Dans beaucoup de religions, dans beaucoup d'églises, il y a l'hypocrisie. Kati na mangomba ebele, bilongi mibale, ezali bokosi. Je vous dis la vérité. Le berger est trompé, le berger le trompe aussi. Mokengeli akosami. Mokengeli be azokosa bandimi. C'est pour cela quand on met l'argent, le berger surveille l'argent. Ndetina tango batiaka misolo makabo. Il a confiance dans mon tôté. Il n'a confiance en personne. Il dit pas de prédication. Toke kwa na yagodi. Mondele te ya biso toke la bongo. Abi matete kosa la te. Toke na lambo na kengele ango. Yo mondele tika la kote. Hallelujah. Amen. Parce qu'il n'a pas confiance. Bon, ayebi moto na kote la moté maté. Dans leurs églises. Na mangoma na bango. Ils sont comme des loups. Bazali loko bambo ya zamba. Non, il n'y a pas d'administrateur, pas de trésorier, pas de ceci, rien. Kuna monyangeli azate. Mobomi na misolo azalite. Musoki motonani, molongo ezalite. Eh baka petit confiance. Yaka yom to kotanga mbongo lelo. Yo petit mo confia. Yaka watangelanga mbongo yi. Et quand le petit mo confia est en train de compter lui il est là. Tango petit mo confia zotanga mbongo. Ye moko avandeli yango wana.
Je vous dis la vérité. Et une personne va pour qu'on prie pour lui. Ça, j'ai vu moi-même. À la télévision. Il dit, demandez-lui s'il est en ordre. On va vers la maman qui pleurait. Jésus, c'est moi qu'on a dit là, c'est moi. La vision là, c'est moi. Baké pas maman qu'on a bakuti maman zola bien ngai. Et mon enelio na balobi et zali ngai. Ah, tu n'as rien ce qui. Tu n'as rien ce qui zali. Demande là si ça y est. Et on a posé la question, la maman n'avait rien. Batuni maman motuna, maman zaki nelo. Ils ont montré ça à la télévision. Balaki saki yango na télévision. Honte à vous. Soni pona bino. Et le pasteur va crier, oh baby naïa! Et mon kengele a gagné, ça ne finit pour toi. Ah ouais, ça gratuité. Ah ouais, on fait les oh baby naïa! Ça ne finit pour toi. Est-ce que ça c'est un prédicateur? Oui, on a sali mon teï. Mais nous sommes dans l'Éden de Satan. Tous dans l'Éden de Satan. Des commerçants. Batuna mimbongo. Moi j'appelle des gens comme ça des sorciers, des vampires, des diabolos. Acclamez le Seigneur de Seigneur. Donnez-lui gloire. Une seule parole qu'on a enlevée. La mort est entrée dans le monde. Aujourd'hui, les premiers chrétiens baptisés au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, on baptise au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Quand Dieu meurt. Lélo, ba Christo ali boso baza ko batana ko Jésus Christo. Lélo ba komi ko batisa na kombo ya tata, mwana pe molimo santo. Combien de gens sont en train de mourir? Ba to boni bazali ko kufa. Ils vont donner leur théologie. N'écoutez pas leur théologie, préférez le nom de Jésus. Ba kote ya likindo na bango. Moi je n'aime pas la théologie. J'aime Jésus Christ. Posez-leur la question, pourquoi ils ont enlevé le nom de Jésus dans le baptême? Oh, Jésus a dit Père, Fils, Saint-Esprit. Mais Pierre a baptisé au nom de Jésus. Oh, Jésus a baptisé na kombo na Yesu. Paul a baptisé au nom de Jésus. Paul a baptisé na kombo na Yesu. Qui êtes-vous pour enlever le nom du roi des rois sur la personne que lui-même sauve? L'Éden de Satan. Éden ya Satana. Ils se sont enrichis. Ba mi comme ici bazui. Ils n'ont plus besoin de rien. Bazali lisu na bosenga ne lo côté. Leur force aujourd'hui, leur orgueil, c'est leur enrichissement. Bokasi na bango lelo. Oyezo sa appelle olendo na bango, ezali bozui na bango. Quand vous essayez, ils peuvent vous tuer. Soki olobio meka, akoki atako bomayo. Je vous dis la vérité. Nazolo ba bino solo. Ils sont devenus des puissances. Bakomi bato yanguya. Prenez Apocalypse 3:14. Je sais que vous connaissez ça. L'âge de l'Odyssée, c'est l'âge le plus mauvais. Écrit à l'âge de l'église de l'Odyssée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu es ni froid, ni chaud, ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Comme là, mange ya ecclesia ya laodikia. Yo kama loba ya moto oyo azali amen. Ye azali moto ya solo. Ayebisi bato makambo oyo amona epai na ye. Nzambe asabi loko nyonso na ye. Na ebi makambo nyonso bino bokosalaka. Bozali loko amai oyo ezanga malili to moto. Vous comprenez? Ni chaud. Na lingaki bozala malili to moto. Ni bouillon. Ils sont au milieu.
Bango bazai moto te bazai malili. Okoki koloba te ke bazo sambela te. Tu ne peux pas nous tromper pour nous dire que il ne prie pas. Bazako sambela. Il prie. Mais okoki pe koloba te ke bazaba chrétien. Mais tu ne peux pas non plus dire qu'ils sont des chrétiens. Eux-mêmes savent qu'ils ne sont pas des bons chrétiens. Bango moko bayebete bazaba Christ malabute. Oh, je suis pratiquant. Oh, ngai nazali mo Christ oyo ya nasalelaka. Luka mo pratiquant na Bible. Luka lilobano lobi kosalelaka kat na Biblia. Ils sont incapables de dire que je suis chrétien. Bazangi makoki akolobete nazamo Christ. Parce qu'ils ne sont pas chrétiens. Po bazaba Christ te. Quand quelqu'un est chrétien, Tango moto azali mo Christo, il le sait. Ayebi yango. C'est ce que Jésus a dit. Vous formez des prosélytes. Yango nde Yesu azali koloba ete bino bozali kobokola tokola kisabandimi. Vous faites des disciples. Bozali kosala bato bayekoli na bino. Des prosélytes qui iront en enfer. Ba oyo bakokenda na lifelo. C'est ce que le Seigneur Jésus a dit, je crois dans Matthieu 23. Aux pharisiens. Et pas na bafalisai. Donc vous faites tout pour amener les gens à croire. Et le gouverneur bozo sala nyonso po bomé baba tete bandima. Et quand ils croient, ils ne deviennent même pas chrétiens, ils deviennent vos prosélytes à vous. Petango bango bandimi bakoko mata ba Christ te bakomi bandimi na bino bayekoli na bino. Ils entrent dans l'Éden de Satan. Bakoti kati na Eden ya Satan. Quand vous leur parlez de la Bible, oh non. Soki olobeli bango na tina Bible ya babiote. Chez nous on ne croit pas comme ça. Et pas na biso bandima kabongo. Chez nous on ne croit pas comme ça. Et pas na biso bandima kwa na te. Ils ont des grandes églises. Comment vous pouvez parler contre eux? Comment vous pouvez dire qu'ils sont dans l'erreur? C'est compliqué. Hein? Est-ce que vous me saisissez bien? Dans l'Éden de Satan ici, le diable est entré dans la religion. Et vous mettez, na Eden à Satan à Oyo, Satan a côté qui non à l'osambo. Il a effacé Jésus complètement dans la doctrine. Abomi kombo na Yesu kati na malakisi. Jésus est fils de Dieu, mais il n'est pas Dieu. Balobi Yesu aza mwana na nzambe, kasi aza nzambe te. Il prie en vain. Bazali kosambe la pamba. Qui a compris, dites amen. Oya sosola le amen. Amen. Il prie en vain. Bazo sambe la pamba. Au lieu de servir Dieu et avoir le Saint-Esprit, ils ont la sorcellerie. Nesika ya kosale la nzambe, pe bazwa molimo santu, bango bazozwa kindoki. Priez beaucoup pour nous. Bobonde la mingi pona biso. Priez beaucoup pour moi. Bobonde la mingi pona ngai. Vous voyez quelqu'un, il est prédicateur, il est prédicateur. Il ne se tient pas à la vérité. Oh, comment le motozolo ba naza motei, naza motei. Kasia yebi kote le makati na solo te. Et il raconte des histoires. Pe azo beta ma solo. Mais il s'est dit serviteur de Dieu. Kasia azo milo beta za mosali na nzambe. Il est dans l'Éden de Satan. Azali kati na Eden ya Satan. Peut-être qu'il est initié. Mbala mosusu ba si bala kisi ye mwa kidoko. Il a la magie. Azana kisoloka. Je vous dis la vérité. Na solo ba bino solo. C'est pour cela, vous qui prêchez la vérité, soyez remplis du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, le même jour vous prêchez, paf. Allez, on te tue. Ils sont remplis de haine. Ils ne pardonnent pas, remplis de rancune. Ils sont remplis de haine. Je voulais dire qu'il s'est vanté de l'argent. Je vais lire ça. Paragraphe 17. Apocalypse 3, 17. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Kasi oyebite ete ozali penza moto ya mawa pe ya pasi. Ozali kokelela. P
pe osili kokufa miso pe ozali bolumbu. On me racontait ça hier. Balobela kinga ngolobeleki. Un homme était, une femme était partie vers un grand serviteur de Dieu que je connais. Moi si moko akendei komona mosali na nzambe moko monene. Et la femme était malade. Moi si yango azalaki kobela. Le serviteur de Dieu lui a dit, il faut commencer par me donner $40. Mosali na nzambe alobi na ete banda na noko futa $40. J'ai crié, oh Jésus. Na gangi na bi, oh Yesu. Si nous ne pouvons pas parler contre ça. Soki tokoki kotelemela makambo na bongo te. Qui va parler alors? Nani akoloba. La Bible dit que vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Bible le bien te bozui ya ofele. Pesa pe ya ofele. Matthieu chapitre 10. Matai mokapo ya zomi. C'est malheureux. Ezali mawa. Et la femme est partie. Pe moi si akendaki. Parce qu'elle n'avait pas $40. Po azanga ki $40. C'est comme une femme qui vient me visiter à la maison parce que Baruti prie pour moi. Et moi je lui dis, donne-moi d'abord $40. Nabi na ye fiche, ton consultation $40. Tolo bate. Que nous ne puissions pas parler. C'est l'Éden de Satan. Et ça l'Éden de Satan. Quelles études avais-tu fait pour percevoir l'argent comme ça? Pour faire payer la consultation de cette façon-là. Je comprendrai encore les médecins. C'est régi par la loi congolaise. Mobeko ya Congo nde motelobi bongo. Honte à vous. Soni pona bino. Vous êtes dans le den du diable. Bozali kati ne den ya Satan. Des mercenaires. Basali alifuti. Et ils se sont pas arrêtés là. Pe basuke liwa nate. Dans le temps de la fin. Natango ya suka. Vous voulez qu'on lise ça? Olingi to tanga yango. Prenez avec moi ça. Boka matelongo na ngai esika. 2 Timothée 3. Timothée ami balé misato. Boka ba misato. Ouh! Mon Dieu. Oh nzambe na ngai. En tout cas, je vais m'arrêter là. Na kosuke la awa. C'est grave. Ezali nde somo. Ça, c'est la religion d'aujourd'hui. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Est-ce que nous avons les temps difficiles? C'est écrit il y a 2000 ans. Est-ce que Dieu existe? Car les hommes seront égoïstes. Pambate bato bakozala miimi. Ah, il a dit égoïste, peut-être ils ne comprennent pas. Ami de l'argent. Alobi miimi, ba mosu bato bakososola te. Baninga ya mbongo. Que lui seul puisse avoir l'argent. Kaka ye moko azana mbongo. Pas les pasteurs associés. Mokengeli molandite. Te. Lui seul. Yé moko, mokolo na losambo. Et il veut être riche plus que toute l'église. Pe alingi azala mozui koleka bato nyonso ya losambo na ye. Je vous dis la vérité. Nazolo ba bino solo. C'est un esprit mauvais. Ezali molimo moko ya mabe. C'est entré aussi dans des commerçants. Eko ti pe kati na bato na mimbongo. Dans les prédicateurs d'aujourd'hui. Na bate ya lelo. Tout l'argent, c'est pour eux. Mbongo nyonso, ya ye moko. Et ils suffisent. Nani a $100? Qui a $100? Motatombo li mosapi. Descendez vite, je vous donne 5 minutes. Bon, kitano ki, minute, mitano, minute, mitano. Motatombo sa $100, yo pesye sou minute. Azaw ya sou mbango. L'homme qui vient te donner ses $100, et tu lui donnes encore 5 minutes pour le faire. Vous savez que j'ai dit la vérité. Ça s'est passé au stade. Et ça les maki. Awa na libanda na lisano na ndembo na Kinshasa. Et les gens couraient. La Kisayango. Et le prédicateur dit que montrez le $100. Alors, courez, je vous donne 5 minutes. Et les gens descendaient avec leurs $100 en courant comme ça. Il dit bon,
J'avance ça, je vous donne encore 5 minutes. 10 maintenant. Alors, bimbo, minute mitan na moneza moke. Nabakisi, minute zomi pour na bato $100 bakita. Mais quand l'argent est entré, la terminé. Kasi tango misole kotaki na sanduku. Et si. Et loko ya yela ki yangoana. Voilà la chose qu'il était venu chercher. Ate asu nini. Qu'est-ce qu'il va encore prêcher? Ami de l'argent. Mon baninga mi solo ya mbongo. Et après, qu'est-ce qui vient après? Si fanfaron. Bato na lo fundu. Mais quand il a l'argent. Bon, asana mbongo. Et il peut vous faire n'importe quoi si vous êtes dans son église. J'étais assis avec l'un d'eux ici. Na banda ki na moko na bango. Au stade. Kuna na stade. Il causait avec moi. Ah, vieux, vraiment, vieux. Vieux. Azo solananga ya lobi. Ah, vieux. Vieux. Nga okuta na yo vieux. Vieux, j'ai toujours eu besoin de te rencontrer, vieux. Et tous ceux qui venaient là. Peba tonyo so bazaki koya wana. Pour le saluer. Pona kobesa embote. À genoux, na mabolongo, il ne parle pas. Akolo bate. Il courbe la tête. Angomi mutuna e. Il salue. Apesi embote boye. Il faut que lui-même fasse oui. Et sengene moko alo andima. Alors il commence à parler à genoux. Nde abandi kolobela ye na mabolongo. Et puis il parle, il termine. Si malobi alobi alobi asili. Il dit bon, vous pouvez partir. Alobi na e okoko kenda. Les dernes de Satan. Edene a Satana. Est-ce que Dieu vous a dit qu'on puisse vous adorer, vous prédicateurs? Zambé, alobé qui vino batei, ete batoba koka kokumba melabino. Nous n'avons qu'une seule personne qu'on doit adorer, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ezali na motoba mele mokoba sengali kokumba mela. Ezali kolo Jésus-Christ. Le diable est entré dans la religion. Satan a koti kati na losambo. Frère Bana m'a dit. Ndeko Bana malobaki. Quand quelqu'un tango moto prend la gloire de Dieu akamati kembo na nzambe pour lui pona ye moko, Dieu fera une de ces deux choses. Nzambe akosala moko na makambo emibale. Soit to il le tue akoboma ye, il l'enlève alongoli ye de champ missionnaire kati na elanga ya mosala. Soit to il l'humilie avec une femme et tout le monde sera au courant pour écraser son ministère. Mais que ces gens-là qu'ils puissent écouter aussi quand le pasteur Baruti prêche et qu'ils se convertissent. Mingi bakufi. Et mingi baza humilié. Un grand nombre d'entre eux sont humiliés. Amati. Bah! Il va monter dans la gloire. Il monte. Tout le monde est au courant. Il est tombé avec une sœur dans l'église. Oh, non, je vais la prendre en mariage. D'ailleurs, mon épouse dans la maison là-bas, c'est une sorcière. Kalawano yebakite kazala ka sorcier ti okoya kaka la mosi na kati église. Et depuis très longtemps tu parles avec une sorcière jusqu'à ce que tu viennes tomber avec une sœur en Christ. C'est vraiment pitié. Quand tu montes, il faut donner la gloire à qui? À Jésus-Christ. Ngoyo matin en kembo et sengeli opesa kembo na nani? Na Jésus Christ. Si tu prends la gloire de Jésus, Jésus va te tuer ou Jésus va t'humilier. Soko kamati kembo na Yesu. Yesu akoboma yo to Yesu akoyokisa yo soni. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Bétele kolo Yesu Christ. Donnez-lui gloire. Pesa ye kembo. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Azali kolo na bankolo. Ça fait du bien, n'est-ce pas? Et là pour ça voilà moi. Les hommes seront égoïstes. Bato bakozala meimi ami de l'argent. Baninga na misolo. Fanfaron. Lofundu hautain. Lolendo tongambo. Comment un prédicateur va avoir l'orgueil? Comment? Ndenge nini motei?
akenda kozana lolendo. Dieu ne travaillera jamais avec un orgueilleux. Zambe akotika la soki mokete kosala mosala na moto na lolendo. Ça c'est ce que le prophète William Marion Branham a dit. Wanande omosakoli William Marion Branham alobaki. Dieu ne travaillera jamais avec un orgueilleux. Nzamba kosala mosala soki mokete. Ongai. Soki ngana simika kaboy. Si moi je tiens seulement comme. Soki ngana telika. Si moi je prêche. C'est moi. Ngai. Yo nani. Toi qui? Poussière de la terre. Poutoulouna mabele. Si Dieu se sert de nous, c'est par pitié, soki par sa grâce. Soki qui sommes-nous? Soki nzamba zali kosala la biso. Ezali pona mawa na ye. Pona ngolu na ye. Quand il guérit, c'est lui-même qui guérit. Que toute la gloire revienne à Jésus-Christ. Il est le roi. Il fait ce qu'il veut. Il m'a choisi, je dis merci Seigneur. Prends de sa place. Mais c'est la sorcellerie. Est-ce que toi tu peux guérir quelqu'un? Tu vas faire quoi? Nous prions. Mais le reste, c'est lui. C'est par un don. Oh Jésus. Oh Yesu. Fanfaron, hautain. Blasphémateur. Il peut voir que Dieu est en train de travailler avec un frère. Il refuse. Parce qu'il ne veut pas. Il veut seulement sa gloire. Un frère était venu de Bukavu. Il m'aimait beaucoup. Il a dit, mais j'ai entendu parler de Baruti, moi je veux le voir. Et la guerre est arrivée à Bukavu. Et Dieu lui avait dit, tu verras le pasteur Baruti. On l'a mis dans l'avion, qui chasse. Batiye na pepo te na kisasa. Frère, bandeko. Il était chez un prédicateur, il a écouté prêcher. Azala ki pa motey moko bo. Aoki motey wana kote. Dieu lui a dit, Nzamba lobi na ye, ce prédicateur me prêche en vain. Alobi nete motey yoyo azali kote yangai kaka pamba. Regarde sa vie. Tala pomo ina ye. Il a une vie sale avec les femmes. Azali na bomo, azakobika bomo ya kindumba na basi. Oh, que Dieu me parle. Oh, nzamba lobela ngai moko. Il dit, Dieu ne t'a jamais appelé. Alobeli yabi nzambe atikala kobenga yote. Dieu m'a dit qu'il ne t'a jamais appelé au ministère. Tu prêches en vain. Nani atindaka yote ya. Nzamba lobina ngai te atikala kobenga yote ozote ya kaka pamba. Kita mandaté de prêcher. Mais quand il prêche, hein? Quel français? Eh, le poto na bongo. Il avait terminé, licencié en ceci, cela. Asilisaki, za licencié soki na nini soki nini. Français, faut na kiyungulu sinon tu vas perdre beaucoup de mots. Le poto. Kamata kango po bana ko kamata. Eh, il dit non. Alobi, que ce Dieu là me parle aussi. Nzambo alobeli wana. Alobi na ngai pe. Pour que Dieu puisse te parler, tu dois te sanctifier. Pour être nzambo alobela yo. Tu es dans le péché, tu veux que Dieu te parle, il va te parler comment? Il va parler par personne interposée. Non, Dieu, que Dieu me parle. Et Dieu lui a parlé. Dieu continue à parler encore aujourd'hui. Et Dieu lui a dit, il m'a dit que tu es déjà condamné. Nzamba lobi na ngai te alobi na ngai ete aussi okwesami. Tu n'as pas voulu écouter l'avertissement. Oboyi oboya ki koyoka likebisi. Tu es jugé. Esili osambisami. C'est terminé. Esili. D'ailleurs moi à partir d'aujourd'hui je quitte ton église. Kutu ngai banda lelo na tiki lo samono na. Je vais prier chez le pasteur Baruti. Na kei ko bonde le pa mokenge. Il m'a montré la montagne. Ata nzamba tali singa ingomba. Il m'a dit de partir. Alobi na ngai na bimana kenda. Maintenant, regarde ta vie. Si tu as fait ceci avec telle femme, tu as fait ceci, tu as fait ceci. Si quoi, t'as la bonne moyenne yo. Obika ki bon moyenne mino na moi si boy. Otambo la ki kindumba na moi si boy. Na moi si boy. Même ta fiancée là, tu vis avec. Atamo banda mina yo ana. Obika kane na kindumba.
abandi kokosa na kolé. Trop tard. Ngonge siele ki. On l'a déjà enterré. Basi bakunda yeleloy. Pourtant très jeune. Très jeune. Ngé, azala ki benze lingé. Sa maladie. Bakundie akufi ata na maladie té. Prédicateur. Batei. Dieu a quelqu'un qui parle pour lui. Si vous n'êtes pas prédicateur, Dieu ne vous a pas appelé. Asseyez-vous. Fais le commerce. Fais ton commerce. Va chercher le travail pour lequel tu as étudié. Est-ce que c'est bien comme ça? Laissez les personnes que Dieu a appelées faire le travail. Si Dieu t'a réellement appelé, travaille. Il te poussera à travailler. Parce qu'il t'a appelé. Ils sont calomniateurs, blasphémateurs. Tels que je prêche là, oh non, il y a bien le côté. Il y a ça la théologie. Qu'est-ce que lui connaît? Est-ce qu'il a fait la théologie? Insensible, déloyaux, calomniateur, intempérant, cruel. Ennemi des gens de bien. Bato ba yibiko yokate. Bato ba yibiko kanga motema te. Bato na nkanza. Banguna na bato ya malamu. C'est écrit comme ça. Et comment mi bongo? Et ce sont les hommes de Dieu. Pe bazali ba aujourd'hui. Oya lelo. Il dit traître. Ba biete ba teki na bato. Ah, ils se trahissent eux-mêmes. Bazali komi kaba. Bango moko bazomi komi te. Emporté, basilika kapamba pamba. Emporté, enflé d'orgueil. Oui. Ba batona ko silika noki noki batona ko vimba na lofundu olubika tetwa kanto tu dis quelque chose allez kanga mloko yo banga mo sala nzambe te na tu pas peur oh yo mo sala nzambe o banga pe mwana na nzambe te mais ce que toi tu veux là ce n'est pas bien tu ne peux pas non plus craindre un enfant de Dieu toi serviteur yo liga babanga yo banga pe moninga te toi tu veux seulement qu'on ait peur de toi et tu ne peux pas toi craindre aussi ton prochain emporté. Batona ko vimba na lofundu. Enflé d'orgueil. Batona ko tonda na lolendo. Suivez bien. Bona na malamu. Aimant le plaisir plus que Dieu. Bato oyo balingi bisengo ya mokili koleka Nzambe. Aimant le plaisir plus que Dieu. Batona ko linga mokili bisengo na mokili koleka Nzambe. Ils ont à l'apparence. Bango bazali kotali sama la piété, ils ont la piété. Lokola basambeli Nzambe. Mais à l'intérieur. Kasi na kati na bango. Mais reniant le message de l'heure. Bakomila kisa lokola bato ya Nzambe. Kasi bazali kowangana toko boya sango na tango. C'est ce qui fait la force de la religion aujourd'hui. Yangonde ezali kosala nguya. Mais c'est dans le message de l'heure. Mais le frère Baruti, d'où tire-t-il ses prédications? C'est ça qui fait la force de celui qui prie aujourd'hui. Mais il réunit cela. Il est d'accord. Parle-lui à propos des faux prophètes, là, il sera d'accord. Quand vous lui parlez du messager William Branham que Dieu a envoyé. Tango yo lobeli na tina motinda mi. Mo William Branham oyo nzamba tinda. Oh, vous adorez un homme. O te bokomi ko sambela moto. Oh, vous suivez un homme. Bozolanda moto. Oui, nous suivons un homme. Eh, tozolanda moto. Nous n'adorons pas un homme. Tozo sambela moto. Mais nous suivons un homme. Kasi tozolanda moto. Paul a dit suivez-moi comme moi je suis Christ. Nous suivons Branham parce que Branham suit Christ. Vous aussi vous suivez un homme. Votre pasteur. Hein, est-ce qu'il est plus grand que le prophète William Branham? Votre pasteur là. Votre pasteur là. Vous connaissez même ses faiblesses. Est-ce qu'il est plus grand que le frère William Branham? Vous suivez Luther.
Vous suivez Wesley. Vous suivez Simon Kimbangu. Et pourquoi vous ne voulez pas que nous puissions suivre un homme? Nous suivons un homme. Son nom est William Marion Branham. Il nous amène à Jésus-Christ. Nous ne l'adorons pas. Amen. Amen. Si on ne peut pas suivre un homme, alors pourquoi vous m'écoutez? Dieu place toujours un homme pour vous guider. Si vous avez un bon berger, suivez-le. Dieu placera toujours quelqu'un pour vous influencer. Et dans l'âge de la fin, Laodicée, Dieu nous a donné William Marion Branham. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Six. La Bible dit, éloigne-toi de ces gens-là. Sortez du milieu de mon peuple. Bible le bien dit, Kenda longwa pembeni na batwana, bimakati na bangoli botanangai. Et verset 7. Non, verset 6. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons. Bango bali ko visiter basio yo bazali mbalité mingi. Et ils aiment beaucoup visiter les femmes non mariées. Ou bien les il en est parmi eux qui s'introduisent dans des maisons et qui captivent les faibles femmes chargées de péché et agitées par des passions de toute espèce. Bato mosusu na kati na bango bakotaka na bandako ya bato pe bakosaka basi ya mitema pete oyo batonda na masumu na baposa ya mabendenge na ndenge basi ya mitema pete. Mais vous pouvez lui dire, papa, c'est toi qui nous prêches. Yo maman, au coquin que le banane était, papa, mais yo mutote ya kabiso. Comment tu me cherches encore? Pourquoi? Dengue nini au comme lukanga il est sous makang. Non, l'esprit est faible. Te, mon limo ya moi siwana, ezalia, pété. Et ils connaissent. Peba toi na bayebata. Refusez, ma soeur, refusez. Ndeko mama, boya, boya na la Bible dit que ça va se faire, ça se fait. Bible c'est une prophétie. Biblia elobiete ko salema, et salemaka, et zalili sakoli. Oh frère, moi yaka ko exhorter biso awa. Oh y'a un frère qui vient nous exhorter tout le temps ici. Hey. Y'a frère à moi exhorter kakakabasi. Mais lui ce frère là, son travail c'est seulement d'exhorter les femmes. Et la Bible dit qu'il n'exhorte pas dehors, il entre dans des maisons. Peu bien le bien te ceux qui aiment le côté abasi ango hein. Libanda alopangote na kati andako. Et il commence le discours. Abandi discours le nekuna na kati andako. Et usuka kaka mabe. Et la suite, vous le savez. C'est une prophétie. Ezalili sakoli. Apprenons toujours. Ils sont toujours dans des séminaires. Bango bazatango nyoso kana ba séminaires. Dans des écoles bibliques. Oh séminaire, oh école biblique. Apprenant toujours. Bale bakate mayele bongo efungwama. Bango koyekola na bango sukakate ezoko bakaka. Bazako koba le diable alwaye na bango mayele na bino ekofungwama. Il continue selon ce que le diable avait dit que vous aurez une grande connaissance. Apprenant toujours, mais ne pouvons jamais arriver à quoi? À la connaissance de la vérité. Bazali koko ba koye kola tango nyonso. Kasi bazali koko kakoko manaboye biya solote. La vérité est simple. Solo ezali pete. Repentez-vous. Bobongo la mitema. Donnez vos vies à Jésus-Christ. Bopesa bomo inabino na Yesu Christ. Avant de prêcher aux autres, vous-même donnez votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Liboso na kote abato mosusu yo moko pesa bomo ino na Yesu Christ. Quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit. Mais comment il va prêcher aux autres? Ndengeli na kote abato mosusu. Seulement quoi, alba kinango passe baruti, passe baruti. Ah, vandana yo se.
Une soeur m'avait dit, mais pasteur Baruti, pasteur Baruti, mais... Oh, serve, oh Dieu m'a donné le don de prédication. Dieu m'a donné le don. Ah, mais serve vandat. Oh, Nzamba, Pessingali Kaboya Kotea, Pessingali Kaboya Kotea, il m'a dit, toi, soeur. Ah, oh, depuis le groupe de prière. Banda et Tonga, ma bonne de Linga, il y a Pessingali Kaboya Kotea. Tango, Bissot, Zalaka Kala. Je lui ai dit que dans notre temps là. Mais Nakoyate. Mais je ne viendrai jamais t'écouter. Je viendrai t'écouter. Et je viendrai. Bissot Mbaleka. Et je vais te dire maintenant, prêche-moi. Je dis lobby. Demain, je peux aussi rencontrer. Tu me dis oui. Je reviens encore. Lobby na zongi lisusu. Eh, la suite, ça sera toujours pas quelque chose de bien. Ekobeba kaka. Ça sera toujours une fin. J'ai une expérience de plus de 30 ans. Nazali na lobby ko ya kolekambula tout comme ça. J'ai dit à la sœur, tais-toi. Dieu. Dans le jardin d'Éden, Dieu a dit à la femme, tu ne prêcheras plus. Amen. Amen. Oh Jésus. Oh Yesu. Sungaba na yo. Aide tes enfants. Dans la Bible. Quand la Bible, hein? Dans notre époque ici, prenez 2 Timothée 4. La Bible dit, il viendra un temps où les gens aimeront qu'on leur prêche des mensonges là. Il dit, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Je vous demande pardon si ça vous blesse. La Bible me dit d'insister et de prêcher en toute occasion, favorable ou non. Reprends, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Oui. Na komedio makambo na miso ya Nzambe pe ya Kristo Yesu. Oyo akoya kosambisa batonyoso. Ba oyo bazali na bomo inaba oyo bakufa. Ya solo ye akozonga pe akoya kozwa bokonzi. Bongo na sengi yo na kombo na ye sakola maloba ya Nzambe na molende nyoso. Ata bandimito bandimite. Bimisa polele lokuta ya bato. Kebisa bango pelendisa bango. Teya bango boboto nyoso. Oh quelle traduction. Bimisa polele lokuta na bato. Amen. C'est la Bible qui me dit de le faire. Bible yende motolobe lingai na loba yango. 3 car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'attendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, des évêques, des prophètes, des bishops, archibishops, selon leur propre désir. Et ils se détourneront l'oreille de la vérité. Et se tourneront vers les fables. Pambate mikolo ekoya, bato bakolinga koyoka matea ya solo ata mokete. Kasi bakolanda bampusa na bango moko penza. Pe bakoluka balakisi ebele. Po baya kotea bango bobele makambo oyo balingi koyoka. Bakobuya matoi matea ya solo, pe bakola bakotea matoi na bango na bilobaloba ezangatina. Biloba loba ezangatina. Amen. C'est ce qu'ils vont aimer. Yangonde bakolinga. Est-ce que c'est la vérité? Ezali solo. Mais vous, Kasibino, revenez à Dieu. Bozonge la Nzambe. Dans cet âge-ci, Dieu a une parole qu'il a envoyée. Nelekoyo Nzambe zana iloba moko ya tindi. Qui nous amènera à l'Éden de Dieu. Oyo ekomema biso na Eden ya Nzambe. Déjà ici. Kutu awa. Vous êtes capable de prier et les malades seront guéris. Bozali na makoki ya kosambela pe babeli bakobika. Déjà ici. Awa. Vous êtes capable d'avoir la paix. Bozali na makoki ya kozwa kimia. Qui dépasse toute intelligence. Oye lekili soso linyonso na bato. Celui qui est en Christ. Oye azali kad na Kristo. Sa paix se trouve dans la parole de Dieu. Kimia na ye azali kad na yoba na Nzambe. Quand il a la paix avec Dieu. Tango azali na kimia na Nzambe. Peu importe les critiques. Atako batongi. Mais il a la paix dans son cœur. Kasi azali na kimia na motema na ye. Amen. Amen. Recherchez Dieu. Bolu kanzambe. Dans la prière. Katina mabonde. Et quand vous priez. Petango zali kobondela. Attendez-vous à écouter Dieu
vous répondre. Zela ete oyoka nzambe koyanola yo. Purifiez vos mains. Petola maboko na bino. Purifiez aussi vos pieds. Petola pe makaka na bino. Si vous savez que là où vous partez, vous allez commettre un péché. Soko yebete siko zali kokende kuna kosali sumu. Ne partez pas. Kokenda kuna te. Purifiez aussi votre bouche. Petola pe monoko na bino. Avant de parler. Liboso na koloba. Tournez votre langue cette fois. Balusa lole monomba la sa. Si vous savez que ce que vous direz. Soko yebete likambo yo koloba. Blessera quelqu'un. Ekozokisa moto. Ne prononcez pas ces paroles là. Koloba maloba wana te. Dites seulement des paroles qui bénissent. Dieu nous a amenés seulement à bénir et non pas à maudire. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous êtes d'accord avec ce que je prêche? C'est l'année de sanctification. Bénissez, ne maudissez pas. Celui qui est dans l'éden de Dieu. Spirituellement parlant, il n'a pas de place pour la haine. Même quelqu'un qui ne l'aime pas, lui il a toujours l'amour dans son cœur. Vous êtes des enfants de Dieu. N'haïssez personne. Peu importe ce qu'ils ont fait contre vous. Ayez toujours l'amour. Priez pour ceux qui ne vous aiment pas. Priez pour ceux qui vous persécutent. Que votre étoile luise. Que votre étoile brille. Que les gens sachent votre douceur et vos biens. Faites seulement le bien et non pas le mal. Pensez seulement en bien, même pour les autres, et Dieu vous bénira. Amen. Vous croyez à cela? Bientôt nous verrons le don de Dieu. Là, il y aura toujours la paix. Là, il n'y aura jamais de guerre. Il n'y aura jamais de critique. Là, il n'y aura pas de maladie. Nous sommes dans une transition. Et le message est venu pour nous préparer pour aller dans l'Éden de Dieu. Combien aiment l'Éden de Dieu? À l'Éden de Dieu, Adam voyait Dieu comme ça. Et il causait avec Dieu tous les jours. Alléluia. Amen. Et il a l'habitude d'avoir un endroit pour la prière. Où tu peux rester seul avec Dieu. Après avoir prié, tu restes à genoux. Tu attends que Dieu te parle. Tu attends que Dieu conduise ta vie. Et Dieu le fera. Moi je crois que Dieu le fera. Vous êtes le peuple de Dieu. Je voudrais que vous tous vous soyez des vases. Je veux que Dieu puisse remplir cette église du Saint-Esprit. Que le feu divin transforme votre vie. Alléluia. Amen. Que le diable ne puisse avoir rien avec vous. Et vous restez dans la parole. Dans la parole de l'heure. Et vous prononcerez arrivera. Amen. Amen. Il y avait un fou qui voulait cracher sur moi. Et il était venu tout près. C'était à Kaemba. Il a fait Il voulait cracher. Oh, j'étais déjà sous l'onction. J'étais sous l'onction, je le regardais. Vous avez la puissance de Dieu en vous. Alors, il a fait comme un militaire. Comment on appelle ça là? Hein? Garde à vous. Et puis il a fait ça. Il dit, cet homme ici, cet homme ici, c'est le chef de toute cette rentrée. Moutouyaï, Motoyo. Il y a quelqu'un fou mouya boala yaï.
Il parlait, il tremblait. Et puis quand l'onction m'a quitté, il est parti. J'ai dit quoi? Il a avalé sa salive. Vous avez un Dieu. Vous êtes déjà dans la présence de ce Dieu-là. Quand vous mangez très bien le message de l'heure, vous pouvez penser à une chose. Et Dieu vous l'accorde. Amen. Amen. Vous pensez seulement. Vous n'avez même pas encore prié. Et Dieu qui connaît votre pensée vous l'accorde. Vous êtes capable de prier pour les malades. Et les malades seront guéris. La Bible ne parle pas seulement de passer Barouti. Mon nom n'est pas dans la Bible. La Bible dit, les œuvres que je fais, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Est-ce que vous croyez en Jésus? Jean 14, 12. Et dans Marc 16, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. À mon nom, ils parleront en langue. À mon nom, s'ils saisissent un serpent, ils ne feront point de mal. Ils imposeront les mains sur les malades. Et les malades seront guéris. Vous croyez à cela? Moi aussi je crois à cela. Nous allons vers l'Éden de Dieu. Nous sommes dans l'Éden de Satan. Mais c'est comme si nous ne sommes pas dans l'Éden de Satan. Nous ne regardons pas tout ce qu'ils agitent là. Comme dans Sodome et Gomorrhe. Nos yeux sont fixés vers le ciel. Là où se trouve notre roi. Le Seigneur des Seigneurs. Bientôt Jésus deviendra une réalité. Pour vous. Il prendra ceux qui sont prêts. Ceux qui s'étaient apprêtés par le message de Frère Branham. Que Dieu vous bénisse. Mettons-nous debout. Paix dans la vallée. Il y a la paix qui nous attend dans ce beau pays qu'il est allé préparer pour nous, le vrai Éden. Ne ratez pas d'y arriver là-bas. Là, il n'y aura ni mort ni tristesse. Ni douleur. Le véritable Éden de Dieu nous attend. Regardons à cela. Et bien fatigué. Il y a la paix dans la vallée pour moi. Un jour il y aura paix. Fatigué, mais je dois suivre mon chemin. Et bien fatigué, mais je
S'épanouiront. Là, les fleurs s'épanouiront. Le gazon sera vert et la neige va être claire et sereine. Oh oui, le soleil brille toujours dans la vallée. Un mot de prière au Seigneur. Thank you.
parler pour moi. Seigneur, je prie, il n'y aura ni tristesse, ni chagrin, ni trouble à voir. Il y aura paix dans la vallée pour moi. Il y aura paix dans la vallée pour moi. Un jour, il y aura paix pour moi. Seigneur, je prie, il y aura ni tristesse, ni chagrin, ni trouble à voir. Il y aura paix dans la vallée. Nous allons prier pour terminer. Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, nous te sommes reconnaissants ce matin pour ce grand privilège que nous avons eu de t'entendre nous parler, d'entendre encore une fois ta voix à travers ton serviteur. Tu nous as parlé, Seigneur, et cela est allé au plus profond de notre cœur. Pour que nous sachions détourner nos yeux de cet Éden de Satan. Le diable avec sa ruse, avec sa malice, imitateur qu'il est, il a créé son Éden pour qu'on puisse oublier que le vrai Éden est là. Que tu es allé nous préparer une place. Cet Éden de Satan, il y a la mort. Il y a la tristesse. Il y a la maladie. Il y a des déceptions. Il y a des problèmes. Mais ton Éden à toi, que tu as préparé pour nous, là il n'y a pas de mort, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de déception, il n'y a que le bonheur éternel, il n'y a que la paix éternelle, il n'y a que la joie éternelle, il n'y a que la félicité éternelle. Oh Seigneur Jésus, oh Kolo Yesu, nous voulons que cette parole, Seigneur, nous fasse totalement oublier ce monde et tout ce qui se trouve dans ce monde. Tout passera. Tout finira un jour. Mais nous avons un Éden qui nous attend. Nous ne voulons pas, Seigneur, manquer d'aller dans cet Éden-là. Tu nous as donné tout ce qu'il faut à travers ce message du temps de la fin pour que nous puissions retourner dans cet Éden-là. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons vraiment que nos cœurs, que nos pensées, que tout notre être, Seigneur Jésus, puisse regarder à cela, que nous puissions lever nos yeux vers le ciel,
D'où tu reviendras bientôt pour nous amener dans ton Éden que tu as préparé pour nous. Et nous laisserons ce monde avec tous ces problèmes pour être éternellement avec toi. Ô Seigneur Jésus, aide-nous à nous purifier. Aide-nous à nous sanctifier. Aide-nous à nous laver. À nous débarrasser de toutes les choses qui se lient encore à nous. Que nous nous séparons de toute espèce de mal. De l'apparence même du mal. Pour être prêt à entrer par la grande porte dans cette ville où l'agneau est la lumière, la lumière éternelle, la lumière qui brillera sur nous, la lumière de la vie. Seigneur Jésus, nous croyons qu'avec ta grâce, à cause de ta bonté pour nous, Seigneur, aucun de nous ne sera perdu. Aucun de nous ne manquera d'y entrer. Là où nous avons failli, pardonne-nous, Seigneur. Là où nous avons chuté, relève-nous, Seigneur. Là où nous avons broché, oh Dieu, aide-nous à marcher droit, à marcher correctement, en toutes choses, pour que ce jour-là, quand tu nous appelleras du haut des cieux, que nous puissions dire, mais voici, Seigneur. Merci Père. Nous croyons Seigneur Jésus que nous enterrons. Pas à cause de notre force, pas à cause de notre puissance, mais à cause de ta grâce. Ta grâce souveraine. Ta grâce infinie que tu nous as manifestée. Merci Père. Bénis ton serviteur. Bénis encore davantage son ministère. Et bénis aussi sa famille. Et bénis tous les offices de l'église. Bénis chaque frère. Chaque soeur de l'assemblée chrétienne de Rigini, qu'ils soient bénis. Ceux qui sont malades, qu'ils soient guéris. Ceux qui ont des problèmes, qu'ils aient les solutions. Ceux qui sont troublés, qu'ils aient la paix. Pour la seule gloire de ton nom, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Applaudissons le Seigneur Jésus. Amen. Ok, nous allons donner le communiqué de la fin avant de vous congédier. Rencontre après culte, voix diacre Richangoi, frère Luambwa Mumona, sœur Malou Valérie et le frère.